Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, notre chère maman. Ô roi de l'univers, ô désiré des nations, pierre angulaire qui joint ensemble, viens sauver l'homme que tu as fait du limon de la terre. Alors, cette toute dernière phrase nous rappelle notre fragilité, que nous sommes de la poussière, que nous sommes tirés de la terre comme Adam, et qu'un jour, notre corps, il va, pour ainsi dire, tomber en ruine, retourner à la poussière. Alors, qui donc pourrait nous sauver si ce n'est pas Dieu, celui qui nous a tirés de la terre, lui seul qui a voulu que nous ayons la vie, c'est lui aussi qui peut nous redonner la vie. Et c'est lui encore qui dit, fais-nous revenir vers moi. Et nous disons, fais-nous revenir vers toi, Seigneur. Viens sauver l'homme. Et voilà pourquoi Jésus est venu. Son nom, il dit, Dieu sauve. Alors, toi Jésus, tu es vraiment le roi de l'univers. Tu es désiré non pas seulement par un peuple, par le peuple d'Israël au tout début, non, tu es le roi, le désiré de toutes les nations. Et c'est toi encore qui fais l'unité, là où nous ne pouvons plus rien faire, où nous sommes tellement en tension et dans des conflits, c'est toi la pierre angulaire qui joint ensemble. Seigneur, fais-nous revenir à toi et Seigneur, viens sauver l'homme, viens sauver l'humanité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.